Neskane on the beats. État des sièges, à des façons pour moi n'a béni ni tour il va passer. Échec lourd, lutte contre corruption, tandis qu'un seigneur fout à maman ou mikate. Yaya, aboyande ni, n'a pas l'air à tiga guida master. Échec lourd, FCCC koufa même bogezo simbata. Échec lourd, tous à la kina qui saloume banda, et comme à souke mboke koufa kala. Échec lourd. Les allez sous le pépé d'abord, t'es comme un sacré d'abord. Échec lourd. Allez-y, tambour sakenda, mets-y les lourds. Et l'autre, échec lourd. Bah député, bah bossa na peuple. Balanda palissade en ensemble. Échec lourd. Siko, bon mais la peuple, pe palissade na 2023 pour te voter bino. Échec lourd. Ichef à Zokanga na 12 à cour abimisi 13. Échec lourd. Kongombo kananga. Kongombo kanangai, yeah. Kongombo kananga, ozangile uteo. Me bakonzi bokamba yonde ba mediocre. Hey, ba mediocre. Mawe opposition kuna pe ba miyibi. Échec lourd. 2018 même erreur. Mae la tata ya yeah, mwana te. Zamba sikatenda haya ne matin. Uzoba, uzoba. Banda Bukuti, système éducatif ya mboka. Hey baby, échec lourd. Siko Pwani, Bokoloba jeunesse à venir ya lobby. Échec lourd. Oh la la, la sod mouton, et bagisi le sou soit mouté. Kongo mboka nanga, ozangile uteo. Me bakonzi boka mba yonde ba mediocre. Hey, ba mediocre. Mawe opposition kuna pe ba miyibi. Échec lourd. Bâti état des droits. Où t'en as policier n'a des zéros les lits. Échec lourd. Oh, gratuité. Mais tout le temps, enseignant, bah ok, qu'on a grève. État des sièges. A des façons pour moi, n'a béni ni tour, il va passer. Échec lourd. Lutte contre corruption. Tandis qu'un seigneur fout à maman ou à mikate. Yaya, aboyande ni. N'a pas l'air à tiga guida master. Échec lourd. FCCC koufa même bogezo simbata. Échec lourd. Tous à la kina qui saloume banda. Et comme souke mboke koufa kala. Échec lourd. Les allez sous le pépé d'abord. T'es comme un yo sacré d'abord. Échec lourd. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Contact Pro Live. Et ici, nous sommes dans un test du direct que nous allons faire. Nous allons commencer à venir auprès de vous tous les samedis à partir de 17h, à partir de 18h. Ça sera au courant de la semaine, mais tous les samedis à partir de 17h, nous aurons à venir auprès de vous pour un nouveau numéro où nous allons expliquer en long et en large tout ce que nous parlons dans Contact Pro Live et dans Réaction. Donc, le direct, à qui la faute? C'est une analyse pratiquement, c'est une longue émission, je veux dire longue émission, c'est-à-dire à peu près 1h15 que la réalisation va commencer à nous donner et nous allons être capables de venir auprès de vous pour vous expliquer ce que nous avions entamé dans Contact Pro Live de réflexion et puis vous allez un peu en plus en profondeur sur les réflexions que nous faisons sur nos réseaux ici, c'est-à-dire que les réflexions que nous donnons, nous faisons allusion à ce que nous appelons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et donc, c'est cette rétrocession du pouvoir-là
que nous sommes en train d'expliquer dans la partie réflexion. Maintenant, réaction, c'est une ou deux fois par semaine. Réaction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous réagissons sur l'actualité qui a fait tollé sur le net. Comme dans réflexion, nous vous donnons le grand titre à la une des journaux qui paraît sur Internet les jours où nous diffusons réflexion. Mais dans réaction, nous réagissons sur une actualité qui tend à ne pas, qui persiste et qui prend presque toute la semaine. Et nous recevons beaucoup de questions de votre part pour nous demander ce que nous pensons de cette actualité-là. Par exemple, cette semaine, nous avions vu cette actualité-là de Kofi Olomide qui a fait tollé, qui ne veut pas depuis 3 jours, l'actualité en question persiste sur les réseaux. Et donc, vous êtes en train de toujours de m'appeler en me disant, Germain, qu'est-ce que vous en pensez avec ce que Kofi Olomide a parlé dans, sur l'émission et pourquoi est-ce qu'on doit, mettre à côté ce que le journaliste qui faisait l'émission. Qu'est-ce que je pense? C'est mon point de vue que vous, mes chers abonnés, vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous qui vous abonnez, ce sont les questions, ceux qui suivent pour la première fois ou une fois, ils viennent, ils suivent l'émission, ils me posent toujours la question, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Vous qui pensez que vous connaissez, qu'est-ce que vous, quel est le, pourquoi? Parce que nous sommes effectivement les leaders d'opinion. C'est pour cela que vous me posez ces questions-là. Donc ici, nous pensons que nous devons absolument répondre parce qu'il y a des milliers de gens qui nous posent des questions et nous, il est impossible pratiquement de commencer à répondre tout un chacun de vous de la façon dont il a posé la question. C'est ainsi que nous avons jugé bon de mettre toute cette actualité, cette tranche-là dans réaction. Et donc, réaction, nous réagissons sur cette actualité-là. On peut prendre 2 actualités, par exemple, 2 ou 3 actualités qui persistent au courant de la semaine et qui tendent à demeurer. Vous voyez donc qu'il y a, des successions des événements dont beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'on va changer la Constitution? Par exemple, nous devons réagir sur le propos d'un monsieur qui passe, c'est un juriste bien sûr, qui passe tout le temps nous disant que la Constitution n'est pas bonne, il faut la changer absolument. Il est passé maintenant à 2 reprises sur l'émission Bossolona Politique. Il est parti là-bas, il essaie un peu de convaincre l'opinion que non, il faudrait qu'on change la Constitution. Et Satan, beaucoup de gens me posent la question. Germain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut changer ou bien modifier la Constitution? Voilà les exemples que nous prenons sur réaction lorsque nous intervenons dans réaction. Maintenant, lorsque nous vous venons, par exemple, dans Contact pour la réflexion, c'est maintenant là où nous vous exposons notre point de vue sur la solution globale que nous voulons à ce que nous proposons plutôt à vous les téléspectateurs, aux dirigeants, aux hommes politiques, aux partis politiques en manque de vision. Nous proposons cette solution-là et nous sommes convaincus que cette solution pourra absolument être une solution pour notre République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous essayons un peu de faire tout le temps. Donc, nous le faisons chaque semaine. Et donc, pour vous qui n'êtes pas abonnés, vous devez vous abonner. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons, par exemple, dans réflexion, nous analysons pas à pas comment est-ce que la rétrocession du pouvoir pourra être implémentée. Comment nous évoluons? Comment est-ce que cette rétrocession du pouvoir pourra terminer ce que nous appelons la gabegie financière, les trichements, la gestion même de la population? Rétrocession du pouvoir, ça veut dire quoi? Nous expliquons ça et nous donnons la démarche qu'il faut entreprendre pour que nous puissions... pour qu'elle soit compréhensible, que peut-être cette solution peut tomber dans les oreilles
de ceux qui ont les pouvoirs, de ceux qui peuvent se dire que non, en tout cas, prenons ça, parce que je peux vous donner l'exemple. Nous avions parlé du développement à la base de 145 territoires. Nous avions parlé du projet de 145 territoires qu'il fallait absolument que nous puissions entamer le développement au niveau de la base. Et quelques mois après, trois mois après, heureusement, nous avions vu que le président de la République en a fait mention et on a même, c'était le ministre Simba, je crois, comment il s'appelle encore, le monsieur de l'ensemble, qui était dans l'administration, qui était dans le gouvernement, je crois, Sama 1. Et ils ont commencé à faire le projet 145 territoires. Malheureusement, le projet 145 territoires n'était pas destiné dans cet environnement aussi d'aujourd'hui. Parce que ça devrait échouer. En principe, c'est comme ça que ça échoue. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait dans le cadre où nous réfléchissons sur une solution globale de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi donc. Nous vous disons par exemple ça. Donc, les idées que nous mettons ici à nu peut servir à ceux qui ont le pouvoir en se disant on peut aller dans ce sens-là. Voilà un peu, mesdames, demoiselles et messieurs, juste une intro, juste quelques choses que je voudrais justement pour faire comme un test, mais en expliquant effectivement ce que nous faisons ici à Contact Pro Life. Donc, merci beaucoup pour avoir été encore nombreux à se brancher sur ces numéros. Donc, nous irons pratiquement... nous allons faire ça chaque semaine, donc c'est ça notre travail. Et notre travail consiste justement à éveiller votre conscience, mes chers amis. Parce que ce que vous faites, ce que vous pensez, quand vous voyez les politiques en train de nous mener, c'est quelque chose de terrible, mes chers amis. Donc c'est un peu ça, il faudrait que nous puissions être, nous soyons là pour que nous puissions éveiller votre conscience et puis peut-être attirer l'attention dans des petites choses pour que le politicien ne puisse pas nous tromper. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas unis, qu'est-ce qui nous manque? Parce que c'est cette unité-là. Pendant que nous disons que notre but ici, c'est de nous unir, d'être une certaine collaboration pour que nous puissions avoir une cohésion nationale. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, espérant que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un petit message. Si vous avez... un message à m'appeler, mon numéro est affiché là-dedans. Je passe beaucoup de temps à discuter avec vous, surtout vous qui m'appelez, pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous réfléchissons et pour d'où viennent nos réflexions. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Neskane on the beats. Dans la police et dans le désert, au lit, échec lourd, oh, gratuité. Mais tout le temps, enseignant, bah, ok, quand la grève. État des sièges, à des façons pour moi, n'a béni ni tour, il va passer. Échec lourd, lutte contre corruption. Tandis que l'enseignant, foutant ma bon ami, kate. Yaya, a boy and the need, n'a pas l'air à tiga guida, master. Échec lourd. FCCC koufwa même bokezo simbata. Échec lourd. Tozala kina kisalou me banda. Eko masouke mboke koufwa kala. Échec lourd. Les allies sous le pépé d'abord. T'es comme un sacré d'abord. Échec lourd. Allez-y tambour kenda. Mais t'y les lourds. Et l'autre. Échec lourd. Va député va bosser na peuple. Balanda palissade en ensemble. Échec lourd. Siko. Bon mais la peuple peut palissade na 2023 pour te voter bino. Échec lourd. Ichef aso kanga na 12 ya kou abimi si 13. Échec lourd. Kongombo kananga. Kongombo kananga. Kongombo kananga. Ozangele hotel. Me ba konzi ba kamba yonde ba médiocre. Hey, ba médiocre. Mawe opposition kuna pe ba miyibi.
2001-2018, même erreur. Maé la tata, yeah, moi na te. Zamba si katenda, aya ne matin. Buzoba, buzoba. Banda bukuti, système éducatif ya mboka. Hey baby, échec lourd. Siko poani, bokolo ba jeunesse à venir ya lobby. Échec lourd. Oh la la, a saut de mouton, et ba d'ici le sou soit mouté. Yeah. Ngombo kananga uzangile uteo beba konzi boka mbayonde ba mediocre. Hey, ba mediocre. Pawe opposition kuna beba miyibi. Échec lourd. Bati état de droit, utana policier na désert au lili. Échec lourd. Oh, gratuité, mais tout le temps enseignant ba ok kana grève. État des sièges, à des façons pour moi n'a béni ni tout riba passé. Échec lourd. Lutte contre corruption, tandis que l'enseignant fouta maman à mikate. Yaya, aboyande ni, n'a pas l'air à tika guida master. Échec lourd. FCCC koufa même bogezo simbata. Échec lourd. Tous à la kina qui saloume banda, et comment souke mboke koufa kala. Échec lourd. Les allées sous le pépé d'abord, t'es comme un yo sacré d'abord. Échec.